que si je respire aujourd'hui, c'est pas parce que je suis meilleur que les autres, mais c'est une grâce. Ma chère Ngala, me sale Lingala, ça s'appelle Ngolou, bien aimé. Ça s'appelle Ngolou, c'est une grâce. Quand j'appelle ce nom Lingala, ça me connaît. Pour ce moment si bon, ces offrandes, Seigneur, Père éternel, Père Dieu, que toi tu as permis, Seigneur, Père aujourd'hui. Que tu as donné la possibilité, Seigneur, Père à tes enfants, Seigneur, Père éternel. Exalté, Seigneur, Papa éternel, Père de que si je respire aujourd'hui, c'est pas parce que je suis meilleur que les autres, mais c'est une grâce. Ma chère Lingala, me sale Lingala, ça s'appelle Ngolou, bien aimé. Ça s'appelle Ngolou, c'est une grâce. Quand j'appelle ce nom Lingala, ça me connaît. Exalté, Seigneur, Papa éternel, Père, et reste loué, Seigneur. Pour ce moment si pour ces offrandes, Seigneur, Papa éternel, Père, les amis, que toi tu as permis, Seigneur, Papa, aujourd'hui. Que tu as donné la possibilité, Seigneur, Papa, à tes enfants, Seigneur, Papa, qui retournent, Seigneur, porté, Seigneur. Pour ce moment si pour ces offrandes, Seigneur, Papa éternel, Père, les amis, que toi tu as permis, Seigneur, Papa, oh mon Dieu. Que tu as donné la possibilité, Seigneur, Papa, à tes enfants, Seigneur, Papa éternel, Père, les amis, la porter, Seigneur. Il me fait marcher sur les lignes. Éternel et ma voix.
Le Seigneur que le jour se multiplie. Nous allons dresser nos mains, la direction de notre fille Gabriella. Et Dieu, que le Seigneur la comble encore d'intelligence et de sagesse.
La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le principe de sagesse. Que le continue à marcher sous la crainte de l'Éternel, afin que le Seigneur la comble encore de sagesse pour son parcours ici-bas. Dans cet exode qu'elle est ici, sur cette terre, qu'elle puisse dépendre que de l'Éternel, Dieu des armées. Car nos jours se multiplient par notre Dieu, qui est béni notre fille au nom de Jésus. Seigneur, me voici encore au Père éternel. En signe de reconnaissance, ta fille Gabriela au Père, que tu as connu l'avantage, Père. Tu as accepté de mourir sur la croix pour elle. Et elle encore au Père, a embrassé, Père, le sort de ton sacrifice sur la croix. Pour cette année encore que tu viens d'accomplir dans sa vie, ensemble, ton assemblée, y compris la famille, ses parents, ses frères, sœurs, nous élevons nos voix vers toi pour te rendre nos actions de grâce. Et pour te supplier, ô Père, ouvre les églises des cieux, renverse sur son cœur ta crainte, ô Père, afin que derrière ta crainte qu'elle marchera, la sagesse la comble. Telle que tu as inspiré dans ta parole, une femme sage, celle qui bâtit sa maison, la femme a détruit d'elle-même. Quand elle grandira et être femme de son foyer, elle saura obéir et respecter, suivre l'exemple de ses parents. Et pourquoi pas plutôt, Seigneur, de grandes servantes qui t'ont servi avec toute simplicité de leur cœur, en observant tes paroles. Je vois l'exemple de Marie, de Magdala, de Madalena au Père, qui t'ont servi jusqu'au bout. Père, que Gabriela t'observe et te suit jusqu'au bout de son parcours ici-bas. Que le ciel soit ouvert pour toi, ma fille. Que les grâces du Père, la communion du Saint-Esprit t'accompagnent tous les jours de ta vie. Au nom de Jésus. Et que le sang de Jésus te couvre. Que Jésus fasse tes projets, ses projets, tes combats, et tes victoires, ses victoires. Au nom de Jésus, j'en suis, je prie. Amen, amen. Joyeux anniversaire, la chorale. J'ai été bénie, je remercie le Seigneur qui nous a donné cette parole. Amen. On se dit tous chrétiens, mais est-ce que nous sommes réellement des chrétiens? Aujourd'hui, on a eu la définition, on a compris exactement quelle est la place d'un chrétien et quelle est la place d'un disciple. Moi, sincèrement, j'ai été bénie, j'ai été vraiment bénie en ce dimanche-là, et j'espère que aussi le peuple de Dieu a été béni en ce dimanche. Amen. Donc du coup, on va passer aux annonces de l'église. De lundi, de 18h à 19h, intercession de maman ici à l'église. Et mardi, de 18h30 à 19h, enseignement et partage biblique ici également à l'église. Mercredi, de 17h30 à 19h, nous avons ici à l'église réunion des sœurs et des mamans. Et de 19h à 20h, on a le partage biblique des jeunes qui va se faire également ici à l'église. Le jeudi, de 22h à 23h, nous avons prière spéciale en ligne. Il suffit juste de vous connecter avec un numéro de l'église et un code qui vous permet d'accéder à ce moment de prière. Le vendredi, de 18h à 19h30, réunion des serviteurs ici à l'église. De 20h à 21h, nous avons la prière des jeunes en ligne. En fait, on a gardé le mercredi, vu que c'est une journée que nos jeunes finissent plus tôt.
on reste ici à l'église et les vendredis, la plupart des jeunes y finissent tard. Donc, du coup, on restera en ligne. Le samedi, de 10h à midi, il y a le bureau du pasteur qui est ouvert. Donc, pour ceux qui souhaitent partager un moment avec le pasteur, pour exposer les problèmes, qui ont besoin des prières, n'hésitez pas. Le pasteur, il est là de 10h à midi, le samedi. Et le samedi, de 13h à 16h, nous avons la répétition de la chorale. Et ainsi, de 16h à 17h30, nous avons intercession générale. Donc, c'est toute l'église qui est conviée le samedi à être là à l'intercession. Et le dimanche, comme aujourd'hui, nous avons un culte d'adoration, de louange, de tout dans la présence de Dieu qui est de 11h à 13h30. Donc, shalom le peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche à tous. Amen. Amen.